What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellette et aujourd'hui je vous donne mon opinion sur la dernière récipiendaire du prix Nobel de la littérature. Yes, lire, c'est un shit qui existe. L'année dernière, c'est Annie Ernaux qui a gagné le prix Nobel de la littérature. C'est pas des jokes, quand que je passe sur quelque chose, moi je veux tout. J'ai comme des problèmes d'excès dans la vie. Donc j'ai acheté en fait pratiquement tous les livres d'Annie Ernaux qui étaient disponibles à ma librairie. J'ai commencé par lire La vie extérieure et La honte. J'ai pas mon exemplaire de La honte à portée de main. Je pense que je l'ai laissé à job, mais ça m'empêchera pas en fait de vous en parler aujourd'hui. J'ai quand même aimé le concept de La vie extérieure d'Annie Ernaux. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient parler de ce qu'elle voit. Donc, c'est vraiment là, des petits trucs, que ce soit un graffiti ou des paroles qu'elle a entendues dans le métro. Puis, à l'aide de tout ça, en fait, elle reconstitue le paysage social de la ville dans laquelle elle vit. Puis, ça sert en fait à venir parler d'elle-même par le biais de ses expériences. Le concept est super bon. Ça n'a pas été aussi bon en exécution que ce que j'aurais attendu. Ça pue le tabarnak! Le prix Nobel de la littérature, c'est très bien écrit. C'est très formel dans la manière dont c'est écrit. C'est peut-être ça un peu qui m'a déplu. J'ai pas particulièrement aimé la plume d'Annie Ernaux. Le concept de la vie extérieure était vraiment un bon concept, mais ça m'a pas fait vivre les émotions que j'aurais aimé que ça me fasse vivre. J'ai compris pourquoi est-ce qu'elle faisait ça. Je trouvais que c'était une excellente idée, mais dans l'exécution, je trouvais que c'était pas très cathartique. Ça m'a pas fait vivre des grandes émotions, ça m'a pas fait ressentir grand chose. La honte, c'est encore pire. Ça parle en fait d'une année charnière, je crois que c'est son année de 12 ans si je me trompe pas, année où est-ce que son père a passé proche de tuer sa mère. Puis par la suite, ben, elle vient parler de tout cette année-là. Sa vie à l'école, ses premières découvertes avec la sexualité, ses questionnements en fait de jeune fille de 12 ans, c'est des choses intéressantes. Mais encore là, ça me fait pas vivre grand chose. Je trouve que l'idée est bonne. Encore une fois, dans l'exécution, c'est moins bon un peu. Je suis capable de comprendre pourquoi cette femme-là a gagné le prix Nobel de la littérature. Je crois qu'elle le mérite. Par contre, c'est juste pas de la littérature qui est de mon registre. C'est pas quelque chose qui me fait sentir grand-chose. Conséquemment, c'est pas des livres auxquels je vais penser sur mon lit de mort. Si c'est des trucs qui vous intéressent, je vous invite à aller le voir. C'est vraiment pas mal écrit, évidemment. Mais je pense pas que c'est des trucs qui vont révolutionner vos vies. That's what up!